Collège national et démocrate, nous ne connaissons pas si nous semblons avec le parti politique en Haïti, ou bien si nous avons même vision avec le parti politique en Haïti. Mais ça seulement nous connaissons, nous voulons faire, c'est que nous voulons appliquer la loi. Si Haïti a une constitution, donc il veut appliquer. Si Haïti a une loi, il veut appliquer. Il faut que nous connaissions pour qui ça. Là, nous mettons comme nous la banque, nous ne pouvons pas jeûner. Il faut que nous donnions une explication pour que ça nous ayons les frontières des États-Unis pour l'exploitation sexuelle. Il faut que nous nous disions pour que ça nous fait 6 heures du soir, 8 heures du soir, nous ne sommes pas capables de marcher, c'est la caille pour nous aider. Ou bien même dans la caille, il y a une plainte nous l'air ouvrée. Il faut que nous donnions une explication et nous disions pour que ça nous ait une police nationale. Mais nous n'avons pas besoin de sécurité. Il faut que nous puissions donner une explication. Pour qui ça? Nous n'avons pas besoin d'un bon système d'éducation. Il faut que nous puissions expliquer, nous puissions mettre nos chitards pour dire pour qui ça nous n'avons pas besoin d'un bon système de santé. Politiquement, nous avons appris à fonctionner de la façon que si Panama, ça fait 15 ans, il y a un système de santé qui a avancé, et puis, je vais analyser Panama, je ne veux dire 15 ans en Haïti, pour témoigner dans le système de santé. C'est ça la politique. Là. Et mon adversaire, Jean-Noël Mouchita, je ne veux dire, nous ne pouvons pas manger avec mon adversaire politique. Nous invitons la famille, nous ne pouvons pas être avec lui. Nous avons parlé de famille, nous avons parlé de politique. Nous comprenons. Ça, c'est mon adversaire politique. Mais nos ennemis, en Haïti, ça a un adversaire politique, mais c'est un ennemi politique. Et bien, je veux dire, responsabilité, ça nous gagne, jeunes compatriotes, le seul rêve de nous gagner pour le pays Haïti, c'est là que petit Zambino, petit Fouenou, les a marché dans le pays ça. Les plongés doivent sur eux pour dire au papa eux, ils ont un héritage pour eux parce que c'est papa eux, c'est maman eux qui transformaient Haïti. Au moins 3 mois après avoir pris la décision en tant que parti politique de rechercher un meilleur avenir pour notre pays en termes de sécurité, nous avons formulé l'une des meilleures propositions qui n'avait jamais été formulée par aucun parti politique auparavant. Elle visait la création d'un organe permanent de coopération et d'assistance pour la sécurité d'Haïti qui a été envoyé au Conseil de transition et consulté par plus de 45 pays ayant des sièges diplomatiques dans notre pays, y compris l'OEA, les Nations Unies. La proposition a été bien reçue et acceptée par les pays de l'Union européenne, le Venezuela, le Salvador, certains pays membres de la CELAC et de l'OEA, mais le gouvernement actuel l'a rejeté et sans nous donner la possibilité de concevoir une feuille de route commune pour sa mise en œuvre. Nous sommes pleinement conscients que nous n'allons pas y parvenir grâce au système politique actuel, car au cours des 3 derniers mois de tentatives de rapprochement avec ce gouvernement, nous avons trouvé de nombreux blocages venant du ACT qui a tenté d'empêcher cette proposition pour ne pas tomber entre leurs mains, non seulement de la presse nationale et internationale, mais aussi dans les foyers de la famille haïtienne et de nos concitoyens qui attendent avec impatience une issue aux crises politiques et la fin du conflit armé qui a fait de nous le pays le plus violent de la région. La proposition vise à créer un organe permanent de coopération et d'assistance pour la sécurité d'Haïti, OPACL, pour son sigle français, viserait à mettre en œuvre le plan de contrôle territorial et de désarmement national, basé sur une formation spécialisée en gestion de la criminalité, pour nos forces de l'ordre par plusieurs experts dans le domaine de la sécurité publique du pays, amis d'Haïti et en des sièges diplomatiques dans notre pays.
et l'initiative viserait également à changer l'image institutionnelle de la police nationale, des forces armées d'Haïti, ainsi que la livraison de nouveaux équipements de haute technologie de la dernière génération pour lutter plus efficacement contre l'organisation de la criminalité et aussi l'incorporation de la création d'une base de données nationale sur la criminalité et enfin l'incorporation d'un groupe d'experts sur le désarmement comme option pour ceux qui souhaitent retourner à la vie publique et se réinsérer dans la société en remettant confier vos armes à nos experts dans ce domaine.